Coucou les cupcakes, je vous prends le mercredi 23 août. Aujourd'hui, du coup, c'est l'anniversaire de ma belle-maman. Faut que je lui envoie un message. Je vais me mettre à faire le montage, je viens de me réveiller les 9h. J'ai saisi mon tissu sur le visage puisque mes autres lunettes, la branche s'est tordue en faisant les cons avec chat. Du coup, faut que je l'emmène à Flelou pour qu'il me la redresse pour éviter de faire de la merde. Je pourrais plus forcer moi-même, mais j'ai peur de la péter donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Aujourd'hui, on devrait faire les courses, normalement, avec les courses scolaires avec Areco. Et c'est parti pour une nouvelle journée, quoi. Je vous emmène, les trous. Je vous reprends, il est. Regardez là, je te dis 10h59. En gros, il est 11h. Ouais, tu vois, il paraissait beaucoup plus petit. Je pensais pas qu'il était aussi petit en vrai. Mais je trouve que pour mettre les chaussons sur le cahier et tout, c'est chaud. Le premier jour, au pire, il prend un truc à côté. Ouais, bref, du coup, on est avec sœur et la liste de fournitures d'Orphée. Comme ça, là, on va d'abord, avant d'aller acheter les trucs et tout, checker leur cartable, leur machin, ce qu'on a déjà à la maison et voir voilà ce que je monte au grenier et ce qui est déjà prêt et utilisable en gros pour leur nouvelle année. Putain, j'ai pris ma douche hier et regarde, je brille déjà. C'est une horreur. Et du coup, ça, on l'avait rasé là. Du coup, on a commencé à remplir les armoires. Regardez comme c'est trop bien avec sœur. On a vraiment rempli. Pour le coup, il faut savoir qu'avant l'été, du coup, ils avaient genre deux pantalons, deux pyjamas. Littéralement. On a tout bien rempli. C'est mon côté. Oui. Donc voilà, on a bien rempli les paniers. Je pense que là, ils sont ready pour la rentrée et le début de l'automne. Il est 13h13. Je m'en vais le dire à chat. Et on va goûter ça. C'est le monster que mon frère m'a ramené. C'est la réserve watermelon. Des câbles, c'est trop mims. Et on va essayer de. T'as fait la tare si tu veux mettre petit bout. C'est pas trop froid. Non. 202 grammes. C'est le plus gros. Tiens ta tête, petit cœur. 200 grammes. Il est un petit peu moins gros. Il a l'air plus gros, mais il est plus poilu. Mais oui, c'est ses petits poils. Et autour du petit dernier. Bah, 199 grammes. Il fait des miou. Didi, il fait des miou. Par contre, il a vraiment une belle bouille avec son petit nez tout noir. C'est vrai. Ils sont mimi les petits pipis. Bon, on a pesé les petits chats. Vous avez vu 199, 200 et 202 grammes. Didi, elle fait 2,7 kg quoi à peu près. Toute fine aussi, petite mère. Et du coup, j'avais reçu un petit colis AliExpress. Je vous montre ça vite fait parce que du coup, on l'a ouvert avec sœur. Déjà, il y a un mini sac à main qui a l'air très ridicule comme ça, mais je le voulais tellement. Vous savez, je l'ai en léopard classique. Là, il est en léopard rose. Je trouve que ça fait très Lolita malgré moi. J'ai repris des petits nœuds comme ça qui pendent dans les cheveux à l'arrière. Donc, il y a noir et bordeaux. Ça change. J'en ai déjà un rose pâle. Ensuite, j'ai un petit collier comme ça en perles. Avec une petite croix que je trouve vraiment incroyablement mignon. Et après, j'ai pris un lot de chouchous qui vont être parfaits pour l'automne. Du coup, on a un gros scrunchy tout doux, un effet un peu velours comme ça, un autre tout doux mais différent, un plus petit avec des poils longs, un effet tricot, comme ça que je trouve vraiment canon, un en effet bouloche, c'est le moins beau pour moi, et un autre petit tout doux comme ça. Voilà. Je vous reprends, il est 16h et quelques je crois. On est dans la voiture, il nous reste plus qu'à passer à Flelou parce qu'on était au Leclerc avant mais c'est infernal, on a chaud, les gens ils sont partout et tout avec les cours scolaires machin, pff, horrible. Même si j'adore faire les cours scolaires, du coup je suis très contente parce qu'on a trouvé plein de trucs, on vous montre tout ça en rentrant. Et on n'a pas mangé ce midi donc là petit wrap veggie pour moi. Sœur elle s'est pris un
petit classique comme ça, rosette au de lit en cornichon. Voilà, elle était chercher des méga forces dans le frigo, non, dans le coffre, parce qu'on a le soir. Et j'ai pris des petites fromages frais et fines herbes, voilà. Et on va vite au Afflelou et vite rentrer à la maison parce qu'on a envie de rentrer en fait, voilà. Je vous reprends, retour de course. Du coup le frais d'abord, on a pris deux concombres. Il y a des bières aussi, il y a des bières, ouais, il y a une grande d'espé là et on a repris un Ricard. Voilà, ma soeur a dit, on a de la menthe, on va faire du perroquet. Voilà, ensuite, on a repris des petites tomates. Oui, elle est à côté du bassin, il faut aller chercher. Une salade. Un avocat. On a également pris un ketchup et une mayonnaise pour les enfants, pour chat, tout ça. Des bananes, parce qu'on n'en avait plus. J'ai repris une bombe de chantilly. Ensuite, on a repris en charcuterie du jambon cru, il n'y avait plus le quart de jambon. Des petites grignotes de poulet. De la rosette. J'ai enfin trouvé des nems veggie, là j'en rêvais. Ils sont hors de prix, mais ça fait des semaines que je suis une fixette sur le fait de manger des nems, donc voilà. Du chocolat cœur praliné, j'adore ça, j'aime trop avoir du chocolat au frigo et manger un carré de chocolat quand j'en ai envie. Et pour finir avec le frais, des petits yaourts à boire comme ça pour les garçons. Voilà. Hop, c'est bon, je range ça et je vous reprends. On peut demander plus en plus. J'ai changé de tenue parce que j'avais trop chaud, enlevé le soutif et tout, on est mieux. Et sœur me passe, vous voyez que cette magnifique sœur, je sais pas ce qu'on voit vraiment bien. Non mais dans le reflet. Elle me passe certaines courses pour aider. Oh, oh. Bref, on a repris des petites, 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 7, non 8, 6 celle-là. Petites, petites, 8, 6 comme ça pour le chat. Qui avait pas les grosses canettes. C'est pas de toute façon, on te voit. Ah mais attends, on a peut-être des courses nulles avant ça. Non, bon, allez, on fait dans ça va. Les Cheetos, parce qu'on adore les Cheetos. Ah oui, c'est bon les Cheetos. Ensuite, on est passé chez Action. J'ai repris 4 paquets de yum-yum au poulet comme ça et 2 ou 4 aux légumes. Et en gros, après, c'est mon petit craquage avec sœur pour les décos d'automne. Puisque ben, je vous ai dit, moi, les décos d'automne, je les installe le 1er septembre. Bye l'été, bonjour l'automne, j'adore l'automne, je trouve ça trop beau, c'est cosy, c'est mignon. Et cette année, l'année dernière en fait, il y a 2 ans, avec ça on a fait un sapin d'Halloween. C'était grave cool, les Américains font souvent ça et c'est trop cool. Et là on s'est dit, poussons le truc un peu plus loin et faisons un sapin d'automne. Comme ça, j'ai un sapin de septembre à janvier. Septembre. Ben un peu plus loin encore. Novembre, décembre, janvier, ça fait genre quasiment la moitié de l'année avec un sapin dans mon salon. Et je suis contente, donc c'est un petit sapin synthétique blanc. Toujours elle fait du bruit, et du coup on va le décorer sur le thème de l'automne. Alors, j'ai à la maison, j'en ai déjà une, mais j'en ai pris une deuxième au cas où, parce que comme c'est du polystyrène, je sais pas si elle a pas été niquée et tout au grenier. Du coup, on va c'est des petits champiflards, trop mix. En plus, ensuite, en lumière. Oui, en lumière. On continue pour le sapin peut-être. Ah, pour le sapin. J'ai trouvé des lots comme ça avec des petits trucs à accrocher, on s'est dit que c'était parfait pour un sapin en vrai. On a pris un lot comme ça avec des champignons, des hérissons, des renards. T'inquiète pas, Thésée, tu pourras regarder, il n'y a pas de soucis. Oui, parce que lui, il adore ça et il commande de ouf tout ce qu'on fait. Ensuite, on a trouvé avec les écureuils et les petites feuilles d'automne. Je pourrais vous aider à faire le sapin d'automne. Bien sûr, mon cœur. Je l'ai peut-être moins bien dit. Et les petites pumpkins et les feuilles. J'aurai décoré pour ça sur des buns, peanut butter. Non, mais pumpkin, des pommes citrouilles. Citrouilles. Waouh, je suis trop bilingue. Non, des fois, j'oublie des mots comme ça. Oui, on décore à la maison. Ensuite, ça, c'est mon craquage avec sœur, regardez. C'est une petite maison champignon qui fait de la lumière. Oh, mais ça va être bien pour le soir qu'on allume ça. Ouais, lui, il est à fond, hein. Il adore dès qu'on doit décorer des trucs, il est en mode « Let's go !» À savoir que du coup, des champignons, j'en ai déjà. De toute façon, je vous montrerai, on fera une vidéo. Tiens, bienvenue en automne décoré avec nous. Et on fera une vidéo où on vous montrera un peu toutes les décos. Du coup, j'en ai pas mal des comme ça. Mais là, on a repris du coup des rouges comme ça, je trouve ça beau. Parce qu'en fait, mon but, c'est que tout le salon, salle à manger complet, soit bien décoré sur full automne. Si j'étais riche, je décorerais tout. L'entrée, le salon, la maison, tout. L'extérieur, des gnomes partout d'automne. Je prendrais à chaque saison. On changerait la peinture de la façade, t'imagines?
Après, j'ai repris des petites citrouilles comme ça aussi parce que j'en ai déjà plein à la maison, mais franchement, elles sont pas genre trop mignonnes. Même le petit détail est belle. Elles sont vraiment jolies. C'est trop beau les citrouilles. On va bientôt décorer. Le 1er septembre, quand en août ça sera fini. Aussi là. Tu n'avais pas une autre Une deuxième comme ça. J'ai repris les citrouilles comme ça. Sœur m'en avait offert une petite jaune moutarde comme ça et je la trouvais vraiment trop belle, donc je lui ai pris une deuxième. Et on a pris deux petites marrons également. Du coup, moi j'utilise surtout jaune moutarde, orange, rouge, marron. J'aime pas mettre des citrouilles vertes ou quoi. Pour moi, il faut vraiment les couleurs clichés de l'automne. Vous voyez, c'est vraiment ma petite passion. Je crois que Sœur et moi on est plutôt d'accord, donc c'est cool. Ensuite, un petit... j'ai craqué sur le petit igloo avec le petit écureuil. En plus, l'écureuil derrière, on dirait une feuille, sa queue. Voilà, mais il est vraiment trop mignon. Ah, t'es venu derrière. Vous imaginez même pas comment il est content. Ça va en faire plein des nouvelles décos, dis donc. Hein. Pareil pour celui-ci. Boum, maman en igloo avec petit bébé. On va aussi utiliser ceux qui mettent des arbres comme Antoine. Bien sûr. Oui. Maman hérisson avec bébé hérisson. Petit détail avec le petit. Les petits glands, les petites feuilles, les petits champignons. Comme ça, c'est vraiment les rappels de couleurs. Et vous savez comment on appelle un petit hérisson? Ça s'appelle un choupisson. C'est trop mignon. Est-ce que c'est pas encore plus mignon? Bah si, voilà. Et en fait, j'adore les hérissons, je trouve ça trop mignon. C'est trop. En fait, c'est moins cliché que le petit renard, mais du coup, je suis plus hérisson, écureuil et chouette. Et là, regardez, boum boum. J'ai pris de l'eau pareil parce que pour en mettre dans le salon et la salle à manger. Oh, ça va être bon là. T'es fini, il est grave enjaillé pour la déco. Ça va être bon. Et du coup, ah, on l'a tout rayé. Ah, non. On a repris un plateau noir comme ça pour faire un centre de table d'automne. Oh oui, ça serait bien. Ça, il arrive juste après, heureusement. On prépare des trucs. Tout ça là, ça n'a aucun sens, c'est inutile as fuck. Pour l'automne, on va préparer plein de trucs. Quand tu regardes direct, j'ai juste mis la main là direct. À... Oui. Direct à ça, je suis praticienne avec mes couilles. Je mangeais les décos. J'en ai marre de putain. La méga force. La méga force. C'était à 49 centimes, c'est à 69 centimes. 62 centimes maintenant. 62 centimes. On en a pris 6 au lieu de. On a regarde pris 6. Ça, je suis tout moi. J'ai repris 2 manches de maradaille. Pardon. Voilà. Et regarde bien mon œil. En vrai, c'est tout. Pour l'automne, c'est tout. Enfin, c'est tout. Mais si vous voyez déjà tout ce qu'on a à la maison, vous verrez ce que. Voilà. Et maintenant, du coup, le reste des courses. Il va voler, voler. Le... T'as même des chips à côté. Là, tous les croc-croc à côté. Tiens, ça fait du bruit. Des croc-croc frites éco plus pour les garçons. Mozza pesto, on les a kiffés, on en a pris. Croc-croc bacon comme ça, les garçons adorent ça. Basique de chez Basique, mais c'est les vinaigres de chez Brett. Et ça, on n'avait pas goûté, donc saveur sweet barbecue, sucré salé. Des petites boules, des mini choux, goût bleu et noir. C'est un bébé Cyril. Un mini chou. Des cafés comme ça, parce qu'on avait laissé le chat à la maison pendant une semaine et tout, donc du coup, bah, ça a descendu, il faut qu'on en refasse. De l'hyper doux. Il y a de la douceur incarnée. C'est de l'adoucissant à la pêche. Tout à l'heure, Chat, il me dit dans ton sac que ça sent un peu l'ice tea. Tu sais, avec l'odeur de la pêche froide. C'est vrai, ça sent un peu l'ice tea, mais ça sent bon. Ah, ça sent bon ça? Non, ça, j'aime pas trop. Je vous ai même pas montré. Je vous montre après. Oh non, j'avais pris autant de croc-croc que ça. Bah oui, mais j'avais faim, sœur. J'ai pris des croc-croc aux cacahuètes. Des croc-croc aux chèvres. Non, mais. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore ça. Les chèvres de poivre, c'est vrai qu'il aime beaucoup. On est parti au boisson. Boisson. Oh oui, le jus de fruits. On a pris oh, du multifruits. Calme-toi. Deux multifruits. Deux jus de fruits. Un jus de pomme. Ça, c'est pour boire avec le seau. 2 litres de lait de vache de centre loin. Fais le petit geste. 4 monstres. On a pris des grandes comme ça parce qu'il n'y avait pas de classique. On se dit, bah, tu sais quoi, tant pis, on va en prendre des plus grandes. On va être encore plus surexcités. Donc pour compenser, on a pris des méga forces, vous voyez, pour ça, voilà. Ensuite, une monarque et une mango loco, parce qu'on est un petit peu loco. 4 sets de blanches, je sais pas plus non, blanches comme ça pour chat, du coup, parce qu'il y a plus les sets de classiques qu'il aime bien. Et du coup, je vous ai dit, on va pris les V6 aussi. Ça, c'est mon dentifrice, à moi. Un an qui pue de la gueule. Voilà, je l'ai repris, en fait, moi j'aime bien, c'est ceux-là.
Oui, qui sont bleu clair avec les petits cristaux. Mmh. Miam. Miam, miam. C'est faux. Non, c'est faux. Répète pas le bête. Non, en vrai, je le trouve vraiment bien celui-là. C'est tout ? Enfin, c'est tout. Le sac d'orphée. Vous imaginez que c'est tout. Ah oui, on a les cours scolaires aussi. Oh non, mais... Et on n'a pas montré vos pyjamas aussi. Le temps qu'elle va chercher ses cours scolaires, je vais vous montrer. Moi, je suis passée chez Valais, j'ai trouvé, ils ont sorti des nouvelles collections. Un soutif, il est trop beau. J'ai pris l'ensemble, il est sans armature. Comme ça, marron, sublime. Les détails de la dentelle sont trop beaux, le petit cœur là. Il est tout doux, tout beau. Il est, il a la possibilité aussi de faire un dos nu. Donc ça peut être trop cool pour mettre des vêtements dos nu, moi qui ne trouvais rien pour le faire. Et du coup, j'ai pris avec le petit slide. Comme ça, qui est très mignon aussi. Le petit détail du cœur, pareil, sur le nœud. Et très échancré. Oui, les détails, la qualité, tout est fou. Et pour ça, on a pris du coup la culotte jaune comme ça. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo haul où on montrait notre shopping. Elle avait pris l'ensemble jaune. Elle a trouvé ça tellement fou, le jaune, qu'on s'est dit qu'on allait prendre l'autre culotte. Comme ça, le soutif, vous savez, vous ne le mettez pas. Bon, là, ils ont su de ouf, donc on les change plus vite. Non, mais en général, un soutif, tu le mets 2-3 jours. Du coup, c'est bien de pouvoir se dire que tu as 2-3 ensembles avec un seul soutif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et ensuite, du coup, pour les courses. Non, je montre moi. C'est moi qui montre les courses, mon amour. Tu nous montreras à la rentrée comment tu veux porter, tout, t'inquiète pas. On avait dit qu'on lui achetait pas de nouveau cartable cette année parce qu'on lui en avait acheté un neuf l'année dernière. Sauf que quand on a vu celui-là, c'était tellement évident que bah on a craqué. On a craqué, donc voilà. Je lui ai pris un cartable Playmobil et il est vraiment très beau. Pour le coup, il est vraiment beau. C'est la même forme que le mignon, pour le coup. C'est le même prix que le mignon. Du coup, il a la petite pochette devant comme ça qui peut être très pratique. Et du coup, à l'intérieur, on a déjà rangé 2-3 trucs qui manquaient sur la liste. Soit le cahier texte, des bâtons de colle. Hop là, des stylos, on lui prend toujours ceux-là, donc voilà. Les feutres, j'ai pris une pochette de 18. Ceux-là, je les adore parce qu'ils se lavent vraiment bien sur les vêtements, la machine. Une nouvelle ardoise qu'on montrera plus si la sienne était en bon état. Puis comme ça, au moins, il a un nouvel effaceur et un feutre. En plus de ceux qui restent à la maison au niveau feutre. Il lui fallait pareil une règle et une équerre. Moi, je prends ceux-là de chez Maped parce qu'ils ne se cassent pas facilement. Enfin, qu'il y a un cassable, on peut les péter. On les a déjà pétés avec mon frère et ma soeur. Oui. Voilà. Mais normalement c'est pas cassable facilement. Vous voyez, c'est pas comme ça que vous faites tomber, vous le tordez une fois dans le cartable, c'est cassé. Voilà, donc il a déjà la règle comme ça, mais au moins ça lui ferait une règle pour la maison, pour boubouille ou quoi, pour quand ils font des trucs à la maison. Et un ensemble pour l'école. Même si finalement le rapporteur il en aura pas besoin maintenant. Un ciseau à bourrin. Et une pochette en carton toute simple. Voilà, et on s'est dit qu'il est plein d'autocollants, on pourrait la décorer tout ça. Voilà, ça c'est pour les affaires scolaires. Et normalement c'est bon. On est juste passé après. Là, je fais comme la mère, c'est bon. Oh, je viens. Récupérer des colis Vinted. C'est noir. Et du coup, on a reçu des trucs parce qu'on a, je disais, on a commandé pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on avait encore reçu. Et regardez ce que j'ai commandé. Des, comme ça, comme des kigurumi pour les garçons. Donc celui-là, pour Boubouille, une Twilight Sparkle qui fait un clin d'œil. Il y a bel et bien ses petites ailes. Elle est très jolie. Il y a sa petite marque de beauté. Et ensuite, tu montres tes ailes. Ton DVD, c'est vrai. Et pour Orphée, du coup, Mario. Et les détails sont très beaux pour les pyjamas. Ça sera trop bien pour cet hiver. Et ça, c'est moi. Oui, j'ai fait un petit cadeau à ma soeur. Parce que depuis le temps qu'elle le cherchait, enfin, qu'elle attendait qu'il sorte en DVD, mais il n'y avait pas marqué nulle part qu'il était sorti. Je l'ai trouvé sur Amazon. Normalement, il devait arriver en une journée, il arrive en deux. Je suis déçue. Je suis déçue, Amazon Prime, je te paye et tu me fais deux jours au lieu de un jour en me disant désolé du retard. C'est quoi ça? Bref, elle en est fan du dessin animé. Les enfants et moi, on l'a jamais vu, donc ce serait une occasion en plus de nous de le voir et de elle de se le taper en boucle la nuit. Encanto, je sais pas si vous, vous l'avez vu. Elle m'a dit qu'il était génial, elle l'a vraiment adoré. Et maintenant, elle est trop contente. Je pense que je pourrais pas faire un plus beau cadeau à ma soeur que de lui faire une culotte jaune et Encanto. Tiens, voilà. Tiens, là, joyeux Hanuka. Et on a pris un cadeau pour Brandon. Ah oui, et on a été acheter un cadeau pour Brani pour son anniversaire. Voilà. Et je vous le montre pas là de toute façon, parce que des fois, il regarde les vidéos. Donc, on t'aime très fort, mais on ne montrera pas le cadeau ici. No spoil. Et si tu regardes la vidéo, sache que le manga que tu as commandé est arrivé. Voilà. La vendeuse nous l'a dit parce qu'on utilise... En gros, on passe à la caisse, on donne son nom pour que bah, les points d'achat aillent sur sa carte à lui. Et voilà. Donc, ton manga t'attend. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Tu me donnes ma petite monster, chérie. J'ai chaud, faut changer les courses. Il est trop petit. Oh non. Taisez, il est mort de... Oh non, il est en cul. Il est trop petit. Je sais pas si on l'a vu. Ouais. Petite monster, elle joue. C'est vrai qu'il a les poils.
Bon, il fait très chaud, mais il les essaie quand même pour savoir si la taille leur conviendra pour cet hiver. Attends, Tantinette, elle t'aide à la mettre bien. Parce que toi, t'as plein de cheveux. Oh oui, par contre, il y a beaucoup de cheveux. Oh non, vous êtes trop beaux, mes amours. Du coup, je vous reprends parce que j'ai oublié de vous montrer un des colis. Et juste, regardez, au fait, je sais pas si vous avez vu, mais mes lunettes sont bien remises. Hein. Contente. Vous êtes amusé mes nouvelles lunettes, mais je les ai déjà tendues. J'ai l'habitude avec ma mère, quand j'étais petite, c'était comme ça tout le temps aussi. Je pétais mes lunettes constamment. Donc voilà. Donc dans ce colis-là, il y a un petit polaire comme ça, bleu marine, un peu comme celui qu'on a rangé dans le temps. Il y en a un autre. Parce qu'Orphée, il a souvent la gorge prise en hiver, donc hop. Ah oui, ça, maman, elle a trouvé ça trop mignon et elle a eu raison. C'est un petit manteau, un peu une veste, mais de mi-saison. Tantinette est en train de ranger le kebab, par contre. Ah, merde, ça sent fort. Merde, l'adoucissant dans la bouteille. Et hop, ça, du coup, la dame sur Vinted, elle ne vendait pas cher parce qu'il manquait une attache, mais bon, c'est pas très grave. C'est à peu près le même que l'autre, je crois, que si ce n'est le même. Voilà, en gros. J'adore les Dove Coats, ils sont bien gonflés et tout, ça sera parfait pour l'automne-hiver. Je vais montrer à ma maman, et voilà. Bon, il est 19h50, les garçons n'ont pas tardé à aller se coucher. Je mange les céréales, ce soir c'était soirée petit-déj. Je l'ai déjà dit, hein, de temps en temps on fait ça, on fait soirée petit-déj, soirée céréales, on faisait soirée croquettes quand on était petit. Sachant que là en plus il fait chaud, ils ont pas très faim, donc ça avec un peu de lait frais, un jus de fruits frais et tout, ça leur a fait du bien. Donc ils ont mangé ça tranquillement. Nous, je sais pas encore ce qu'on mange parce que j'ai demandé à Chat et à Sœur s'ils avaient des idées. C'était là, non. Alors c'est à moi de trouver les idées pour le repas. Et voilà quoi. Moi, si je m'écoute, je leur fais juste des concombres à la crème. Je vais leur faire des concombres à la crème bien frais, là, ça va faire du bien.